Une histoire d'amour qui a duré près de 2 décennies. Âgée d'une 20aine d'années au moment de sa rencontre bouleversante avec Igor Bogdanov, Amélie de Bourbon-Parme a évoqué leur mariage idyllique au château de Chambord sur le plateau de Quelle Époque. Samedi 10 juin 2023. Face à Léa Salamé, Christophe de Chavannes, Philippe Cavé-Rivière et Paul de Saint-Sernin, l'ex-femme d'Igor Bogdanov était invitée sur le plateau de l'émission Quelle Époque. Le 10 juin 2023 à l'occasion de la sortie de son livre L'Ambition. Elle a pu revenir sur leur mariage de rêve célébré le 3 octobre 2009 au château de Chambord. Pour ce grand jour, l'ancien animateur de Temps X avait carrément réservé un hélicoptère afin de ne mettre plein les yeux à sa future épouse, Amélie de Bourbon-Parme. Vous vous êtes mariés il y a plus de 20 ans, on a les images, a commenté Léa Salamé. Si est-ce un mariage de princesse, mais alors carrément princesse. On n'est pas dans l'écologie là avec l'hélico et tout. Viennent ensuite les images, reprises d'un reportage de Zone Interdite. On découvre la fille naturelle du prince Michel de Bourbon-Parme et de l'or le bourgeois hésitait un peu à monter dans l'hélicoptère. T'es sûr qu'on ne va pas mourir, hein? Dit-elle à son époux. Oui, certain oui, la rassure-t-il. Il avait pas l'air stressé lui, a soufflé avec humour Christophe de Chavannes en regardant les images projetées sur le plateau. Non 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 enfin si mais c'était sublime, a répondu Amélie de Bourbon-Parme. Il y avait combien d'invités à ce mariage? Vous aviez envie d'un mariage de princesse? Demande ensuite Léa Salamé. J'avais envie d'un truc qui sorte un peu de l'ordinaire. Oui, si est-ce un moment quand même dans une vie assez rare. On ne se marie pas tous les jours. Et c'était l'idée d'Igor en fait qui voyait grand en fait en général et bah il a eu raison d'ailleurs parce que si est-ce un beau souvenir et mes enfants ont vu d'ailleurs le film. Il n'existait pas encore, a expliqué la maman d'Alexandré, née en 2011, et Constantin, née en 2014, fruit de son amour passé pour Igor Bogdanov. Si est-ce une magnifique histoire d'amour qui a duré 20 ans. Il avait quasiment 30 ans de plus que vous. Et tout le monde vous disait mais où est-ce ce que tu lui trouves cet homme fantasque, différent, bizarre? A ensuite demandé Léa Salamé avec curiosité. Étrange oui si est-ce vrai. Je lui trouvais son génie, son intelligence, sa culture. Alors certes. Si est-ce vrai que quand on s'est rencontré je me suis dit bon il est passionné par l'avenir, par la science, par la découverte. Puis en fait j'ai découvert que ce qui le passionnait c'était l'histoire du Big Bang. On avait plein de choses qui nous rassemblaient sauf que lui il s'intéressait vraiment à l'origine de l'origine en fait, a répondu Amélie de Bourbon-Parme. Une très belle histoire qui a marqué la vie du scientifique décédé le 3 janvier 2022 de la Covid-19, 6 jours après son frère Grishka, et de l'écrivaine,